Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous propose ce soir de revisiter l'histoire de la femme du 20e au 21e siècle, car la femme est un musée. Et comme pendant les journées du patrimoine, aujourd'hui, c'est porte ouverte. Dans cette rétrospective, nous découvrirons la vie quotidienne de trois lignées de femmes sur quatre générations. Mais commençons donc par le commencement. Nous sommes en 1950. L'action se déroule dans un parc. Jacques m'a enfin offert le robot de mes rêves. Le Charlotte de chez Moulinex. Encore cadeau, j'ai un nouveau marmot. Bah tiens, je vais l'appeler Moulinex. Éclate, éclate, toi dans ta cuisine, ma petite libido. Quand t'es avec Moulinex, tu manques pas aux joies du sexe. L'avortement est considéré comme un crime contre l'État, passible de la peine de mort. C'est l'orage de galérer pour aller pratiquer une IVG. En tout cas, les filles, la pilule est enfin remboursée. Oui. Maintenant, ça fait un mois. Il est bon, j'aime enfin son vagin. Pas trop tôt, pas trop tôt. Grâce à la contraception, notre corps nous appartient. Pour la première fois, la femme a le pouvoir sur son corps. Je suis à deux doigts de ressembler à Cindy Crawford. Enfin, à deux doigts, plutôt à deux seins. Parce que j'ai décidé de me les faire refaire. Sur sa vie professionnelle, je suis PDG de ma société et c'est mon mari qui est dans mon foyer qui s'occupe des trois enfants. Le nôtre et ceux de mes deux précédents mariages. Elle entre au pouvoir. Elle a raison, Jean, elle a raison. Le voile, le silicone, dans les deux cas, tu n'as le désir de l'homme. Ah, je suis désolée, ça n'a rien à voir. Les seins, c'est de la séduction, le voile, c'est de la soumission.